Les spécialistes du TOF ce soir, bien sûr, retour sur la victoire de White River qui a rendez-vous avec l'histoire. White River, vainqueur de trois courses classiques, dont le Méden cette saison. Les enseignements de cette course avec Alchiba qui finit à la deuxième place. On va parler également des nades. La glorieuse incertitude du TOF qui a frappé de quelle manière dimanche avec trois surprises. Coolwater, Kemal Kavour et Jet Park, les outsiders. Randall Simons, début prometteur pour le nouveau jockey de l'écurie Pritam Demi. Il s'est imposé avec Council of War. Kings County se retrouve et qui s'impose pour la première fois cette saison. Et cap sur la 25e journée hippique, samedi prochain au Champ de Mars. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir à vous. Nous revenons sur le plateau dans quelques instants, le temps de revoir le Méden. Et c'est parti pour le Méden. White River n'a pas pris le meilleur des départs. Mais sinon, Cool at Heart va partir très vite devant avec Tengen Salute. Cool at Heart qui dirige les opérations de On Raid. Tengen Salute, White River qui s'est très bien repris. Il y a Our Emperor et Nat dans le dos de White River sur les barres. Nebula à l'arrière. Overshadow et Solstar qui ferme le cortège. À l'approche du poteau du 600 mètres, Cool at Heart, comme attendu, dirige le peloton devant Dawn Raid. Son compagnon d'écurie, Tengen Salute, suit bien en troisième position. Our Emperor également bien retenu. Ensuite, White River, le favori, qui se retrouve devant Alchiba. Enad à l'extérieur d'Alchiba. Derrière, il y a Nebula, Overshadow et Solstar. Les chevaux vont entrer dans la ligne droite pour la première fois. Avec Dawn Raid qui prend le relais devant Cool at Heart. Ensuite, on retrouve Tengen Salute, Our Emperor, White River. Et Nad se rapproche un peu maintenant pour se mettre à l'extérieur de White River. Alchiba sur les barres, Overshadow à l'arrière, Nebula et Solstar. Pas de problème pour Dawn Raid ici. Cool at Heart ne se presse pas, reste bien dans sa foulée. Donc Cool at Heart, Tengen Salute, Our Emperor, White River va se faufiler légèrement à la corde, mais non, il laisse partir Our Emperor qui va surprendre peut-être tout le peloton. Our Emperor va même accrocher Dawn Raid en tête de cette épreuve. Our Emperor, Dawn Raid. Ensuite, on retrouve Cool at Heart derrière. Tengen Salute, White River. Enad a rejoint presque White River. Ensuite, on retrouve Alchiba, Overshadow et Solstar. Bientôt plus que 600 mètres à parcourir dans cette course pour Our Emperor. Cool at Heart avec Dawn Raid, Tengen Salute. Enad est déjà sous pression. Il y a White River qui est juste devant lui, Alchiba, Overshadow, Nebula va commencer également son effort à l'arrière, Solstar, Enad est lancé avec Nebula, White River juste devant lui, mais devant il faudra suivre Tengen Salute et White River qui est lancé à l'entame du dernier virage. Absolument, White River fait fonte à pression, Tengen Salute va prendre la mesure de Cool at Heart, White River en pleine piste, Enad pour l'instant est battu, White River, Emmanuel Nunes, attention Alchiba à l'intérieur, White River remporte le Méden 2019 facilement devant Alchiba. Tengen Salute, White River en champion sous la montre de Manuel Nunes pour remporter le Méden donc devant Alchiba, un très très bon coursier White River qui donne l'occasion de voir en action Champ de Mars. Oui, un crack, certainement un des plus grands coursiers qui fait une galop au Champ de Mars au cours des dernières années. Gagner 1400 mètres et 2400 mètres lors de la même saison, c'est pas évident. Un ancien s'est entraîné par Ramesh Agadida des affaires dans le passé, c'est Studio Chalice. Bon, White River tient un bon doute l'eau se tenu, même si bizarre dire que sur l'entourage, c'est assez optimiste qu'il est pour tenir la distance. Et après ce des derniers galops qu'il s'est réalisé sur la petite piste vendredi dernier et mercredi dernier, et vous allez dire que la confiance était de mise. Le cheval, la façon qu'il y travaille au cours de la semaine, de la dernière quinzaine, jamais il fit travail de cette façon avant sur quatre précédentes victoires. C'est ce qui fait nous penser qu'il est probablement beaucoup plus bien qu'il lors de ce ban précédent de sortie, il finit démontrer sa supériorité et dans les courses. Nous revenons sur cette course avec le départ. L'IPA prend le meilleur des départs.
White River, mais il rattrape Lee tout de suite. Oui, et c'est la deuxième fois qu'il y prend un mauvais départ avec Manuel Nunes. Ici, déjà, manque un peu ce départ, saute un peu travé dans le barbé. Là, dans le Maiden d'Istanbul, à l'ouverture des boîtes, mais Nunes finit de reprendre Lee assez rapidement et il finit de remettre Lee dans les courses. Et nous trouvons ces balles-là, c'est assez relax et Lee finit surmonte ce mauvais la ligne après pratiquement 400 mètres les courses. Que Lee finit réussit à trouver une position devant Alcibá et dans le dos de Our Emperor. Par la suite, Manuel Nunes finit. C'est ce cheval. Le train sur les premiers 600 mètres, c'est assez rapide. Mais par la suite, nous trouvons que la Tarte fin commence à réduire les courses devant Dondré. De nous trouver en troisième position, Tenyen Salut, un peu ardent. Et probablement, Jaglalin crier, c'est qu'il fin pousse Tia à l'attaque devant, libère un peu l'espace pour permettre Tenyen Salut. Donc, c'est à ce moment un peu plus facilement en troisième position. Et une fois que Tia est mis devant, il réduit devant la Tarte. Et que la Tarte est obligé et donc un moment décalé, mais avec train qui finit ralentir en montée, nous trouver c'est Cédric Séjon qui éventuellement finit prendre l'initiative pour attaquer au bas de la descente avec Our Emperor. Que la Tarte finit décalé à son tour à l'extérieur de Downgrade et Manuel Nunes peut suivre tranquillement manœuvre, bande meneur et l'IP progresse le long de la côte. Avec Enad nous trouvait déjà sous pression sur l'action pas aussi souple que White River et Alcibá sur l'intérieur et White River là nous trouvait Nunes fin déboîté. Enad déjà battu à ce stade, celui qui va faire la meilleure impression derrière White River c'est Alcibá. White River donc qui dans la ligne droite l'étant Manuel Nunes pour refaire son renne, sortir la cravache. C'est valable pour accélérer tout en versant un peu vers l'extérieur. Nunes qui ne sent sa cravache de main. Et puis Limon, c'est valable, Hands and Heels à la fin. C'est valable, gagne les courses assez facilement devant Alcibá, hauteur d'une très belle deuxième passe devant Tengen Salut, qui pour le deuxième Maiden consécutif pour termine à la troisième place. Voilà l'envolée de White River. Belle impression de Alcibá. Ces deux coursiers qui finissent d'importer. Cette année, qui partage les deux premières places du Maiden 2019. Oui, Manuel Nunes, premier Brésilien à remporter le Maiden et qui fin remporte trois derniers classiques dans lesquels il est dans l'action. White River dans le Barbé, White River dans le Maiden, mais également Hot Days Night dans la Coupe d'Or. Et c'est trois classiques pour le compte de l'entraîneur Amicho Agazeda. Donc, qui. Grâce à sa victoire là, Finn prend une sérieuse option sur le titre également de champion chez les écuries. Un superbe coursier qui maintenant pour vise un quatrième classique en plus de 200 ans de course ici au Champ de Mars. Un seul cheval Finn réussit réalise un tel exploit, c'est Winking en 1934. Et ça. L'exploit que White River fin réalisé dimanche dernier, à ce jour, donc le dernier cheval en date à avoir réalisé le triplé, c'était Pretty Molly de l'écurie Clarenc en 1951, soit 68 ans de cela. Pour vous dire donc l'exploit réalisé par White River dimanche dernier. Un sacré cheval définitivement ce White River. Et Vincoz Ban Classic, les trois classiques remportés par White River, Duchesse, Barbé et le Maiden. Mais il nous remonte aussi dans l'histoire pour Guetanvé Ban Triplé qui tient auparavant. Oui, en 1917, Damoiselle, quand il y a une course à l'écurie Gatudor, qui est le premier cheval qui réalise sa triplée là, suivi de Ten Cents en 1933. 1934, Winking, coursier de l'écurie Gadjidor également. Et Winking, lui, il ne fait plus fort, il réalise carrément le quadruplé. C'est ce que White River pourrait essayer de faire dans la Coupe d'Or dans quelques semaines. Nous avons prêté Molly. Et donc, nous avons pour White River ce prochain objectif, la Coupe d'Or. Mais avant qu'ils nous enchaînent, le classement des écuries, parce que là aussi, l'écurie Rameshwar Gadjidor
Fedeta Schli avec 11 journées qui restent pour la saison régulière avec un pot-drapeau qui est White River. Pour assez difficile pour déloger l'écurie Rameshwar Gajedar en termes de stakes money et encore 800 000 pour arriver les 10 millions. Oui, ma pensée peut-être, même si on n'est pas encore fini, pratiquement assuré du titre de champion. Et il y a également la venue de la nouvelle cravache qui est pour en action ce samedi, Diego de Gouveia. Donc, certainement qui peut apporter un nouveau dynamisme à sa écurie là. Il y a White River, il y a également Hard Day's Night qui prend action bientôt dans le Princess Margaret Cup, qui est lié également pour une, ce sens, briller dans Man Grand les courses avant la fin de la saison. Voilà ce qui est dit pour le classement. Nous écoutons Abhishek Gajedar qui fait le déplacement pour vivre ce moment très fort. Et White River qui finit d'ailleurs en pote ce Méden dans les coups de son entretien. Abhishek, White River remporte le Méden pour réaliser la passe de 3 classiques consécutives après la Duchesse et le Barbie. Comment on est capable de décrire ce cheval-là pour Mathieu Fils? Comme je crois, il n'y a plus un amour pour décrire ce cheval-là. C'est un cheval extraordinaire. Personnellement, moi, c'est le meilleur cheval qui m'a trouvé Garde Maurice. Okay, t'imagines, dans de nos jours, un cheval qui a 5 les courses d'affilée, pas facile. De ces 5 premiers courses, il gagne 1400, 1400, 1600, 1850, 2400. Il a fait incroyable 3 classiques. 68 ans après, un cheval, il a réussi à faire ça. Peine à moi pour décrire ce cheval-là. Le meilleur cheval qui m'a trouvé Maurice. Qui te frappe avec ce cheval-là quand tu guettes ce palmarès l'Afrique du Sud d'Abhishek? Je pense que c'est le meilleur que ce palmarès a fait. Et dans les courses, il y a une PAD qui est bien gagnée là-bas. Donc, je pense que nous tenons encore une marge de progression avec lui. Mais réussir à Stélie, c'est grâce à Deddy Moon qui ne peut pas se remercier, c'est Chandra Gajadar et France Lowe. Parce que sans eux, pas si possible, nous n'avons mis aucune pression. Jamais je ne peux dire que nous ne payons pas ce palmarès assez ou bien quoi que ce soit. Je n'ai qu'accepté. Leslie, comment les étudiants étaient, ce soir-là, ils ont et quand même, dis-moi, comme ça, ils méritent tout le succès qu'ils ont gagné. Et surtout qu'ils ont attendu bien longtemps pour gagner les courses. Par exemple, Modala Chandra, avant les gagner 16, ils ont attendu près de 25 ans pour se gagner 16. Beaucoup fois déçus, mais ça, une fois qu'ils ont gagné là, ils ont découvert tout ça, une fois qu'ils ont perdu là. Donc, je remercie eux beaucoup. Et nous connaissons qui la Coupe d'eau pour un de ses objectifs majeurs pour réaliser l'exploit, réaliser sa 4 classiques là. Mais il y a les courses en particulier avant la Coupe d'eau qui nous a plan pour aller White River à Abhishek. Non, en fait, ça, mon papa et mon dada pour décider. Je ne planifie ça, ce soir-là, ce training jusqu'à présent extraordinairement bien. Encore une fois, sans, pour aller White River, je remercie ce parfumier-ci, Vijay, enfin, qui nous appelle le chien. Et Viru qui monte lié chaque fois, je l'occupe extra bien. C'est un cheval qui, une fois, il testait aux patients. Je ne voulais pas envie de faire quelque chose, pas pour faire un rien. Je voulais envie de faire quelque chose pour faire bien. Donc, je bien salué les autres. Je travaille bien pour ça, ce cheval-là aussi. Mais quand, pour revenir à ta question, nous ne parlons pas de ce qu'il y a des courses seulement, il parle direct Coupe d'eau. Et je suppose que mon papa et mon dada pour prendre ce travail, comment bien. Et comment qualifier la 5e place de Nebula dans le Méden? Personnellement, je suis un peu déçu. Je crois qu'il est fini parmi, parmi 3 premiers. Pendant toutes les courses, là, il est derrière Alshiba, il est derrière White River, 300 mètres. Il est move up derrière White River, il est 3 colonnes avec White River. Je me disais, c'est fini les courses, premier, second, White River, Nebula. Mais White River et Alshiba qui tient en place, ils ont battu 8 longueurs, 6 longueurs. Donc, personnellement, je suis un peu déçu. Lingal comme un cheval qui peine pas beaucoup parce qu'il moved up in contention and then he just flattened out. Donc face au Lingal, pour moi 2400 mètres c'est long et quand nous réalisons c'est lui aussi ce premier fois Lingal 2400 mètres sur la vie. Donc un peu déçu qu'il n'ait pas fait 3 premiers mais nous avons accepté nous mouvons. Et nous connaissons qui nous les autres chevaux, les autres performances. Man From Seattle nous connaît bien attendu dans la dernière. Est-ce que vous pensez le poids? Comment vous expliquez ça, 6e place à l'arrivée là? Man From Seattle, il sortit extra bien que ce premier dans la ligne. Mais comment il sortit, il boxe in, il reste au bas. Les coussins finissent la même. Les coussins sont bien lents. Si vous êtes bien, jet passing, tout dans sa faveur. Il kept on going.
sur quelle position. Tout bien, tu vas dans les coussins, plus ou moins inchangé. Il est trop lent avec les mots de la main. Et Nordic Champ, comment explique ce dernier place à l'arrivée? C'est une course totalement ignorée. He was traveling like a winner. Il s'est sévèrement gêné 300 mètres. Et comment il s'est sévèrement gêné sur les courses infinies la même. Donc c'est une course à ignorer totalement. C'est comment dire, il n'est pas un galop du tout. Abhishek, comment vous rate le Bowyer Trial de Declarator mardi matin? Declarator fait longtemps qu'il a galopé. Il a une riposte parce qu'il a fly jump l'autre fois là. Il a fait Bowyer Trial avec Horse Guards qui a beaucoup de vitesse. Donc tout ça prend en considération. Il fait un bon trial. Et The Great Crusader? The Great Crusader aussi a une riposte. Nous sommes bien contents. Il rentre dans le stade complètement tranquille. Il saute bien. Il aussi il bien fini ce travail, donc nous bien satisfaits. Nous connaissons qui est Captain of the CN des Mans Cheval qui est au fond beaucoup d'espoir. Est-ce qu'il est capable de confirmer si ça se va la fin improve depuis ce dernier des courses? Il y a un cheval qui peut improve après ça que les courses qu'il peut faire. Il est encore bien green. Quand il était le fois là, il pique sur les oreilles. Mais il y a un cheval qui mérite à suivre. Il y a un cheval qui nous mérite de suivre et il peut faire bien l'avenir. Pas oublier lui. Et comment fin passe la récupération de Ouzo? Ouzo, très bien. Enfin, chaque fois, il galopé, répète sur les courses. Je crois qu'il fait non placé depuis les Maurice. Donc, il est très bien. Nous pas guetté Floréal même là. Et nous connaissons Nottinghamshire, un team décevant la fois dernière. Il y a un excellent World Tag. Est-ce que ça se va la fin de garde sous forme à l'entraînement? Moi, pas vous dire, il est décevant. Pour moi, il finit à peu près quotidien, finit dans les courses là. À handicap, je crois qu'il peut gagner 6 kg avec World Tag, 5,5 kg avec Rule the Night. Après Hard Day's Night et Baritone, je dis c'est meilleur qu'il est. Il gagne les courses assez faciles. Il n'est pas une fin de mauvaise course, tout ça compte en considération. Il est dans une bonne condition, mais vint la fin de la saison, il est un peu plus discipliné parce qu'à cause de son problème, et la piste de il struggle un petit plus. Mais il y a un souvent qui toujours essaie son mieux et il peut toujours faire son mieux. Et qu'est-ce qu'il y a de Duke's Domain qui n'a pas en progrès la fois dernière? Duke's Domain, tout à fait, il a en progrès. Il gagne les courses difficiles, né au vent avec 65 kg. Avec 11 amis, nous avons battu avec 3 longueurs. Il y a un cheval qui mérite de suivre. Je pense que c'est 1800 mètres. Il y a un bon cheval. Abhishek, un cheval en particulier, un bien travail, pour qu'on s'est éventué à suivre prochainement? Bon, personnellement, je ne suis pas trop attendu de perdre deux fois là. Donc, je peux dire Barak Street. Abhishek Gadjedar au micro de Kamlesh Rajkumar. Et Abhishek, il y a un pionnier pour faire ce cheval là. Au champ de Moss, du moins pour détecter lui et pour faire que le propriétaire acquérir lui. Oui, comme Chandra Gadjeda, le propriétaire White River, a répété lui, c'est Abhishek Gadjeda qui grand aussi tech la venue de White River au champ de Moss. Lui travaille en Angleterre, il participe aux Evinget Maiden. C'est seulement après avoir vu le galop de White River qui était un galop vraiment remarquable. Site MTC, ça galop qui White River tu fais mardi en compagnie, mercredi en compagnie de Nottingham. C'est là qu'il est final, prend permission avec son employeur pour Vin Maurice parce que l'eau ça travaille là pour lui, c'est voilà, pas capable de perdre le Maiden. Et il salue également la contribution du palefrenier Vijay Citoyen dans cette réussite. Navin Riga également qui occupe ces vals là. Qui monte ces vals-là régulièrement à Floréal. Je veux dire que White River, c'est un cheval qui a son caractère, qui est assez capricieux. Et Vijay Situel prend beaucoup de patience avec ça, ces vals-là. C'est un fidèle lieutenant de Subiraj Gadjedar parce qu'il fait un début de sa carrière au centre de la famille à Post Lafayette. Et le dernier Maiden qui l'entraîneur Rameshwar Gadjedar tire en porté, c'était en 1999 avec Mastabim. Et il était étroitement associé à la préparation de ce cours aussi à l'époque à la mer avec l'assistant entraîneur Subiraj Gadjedar. Dans l'écoute de jockey, le Brésilien Manuel Nunes. Manuel, what an incredible horse you have ridden in the Maiden Cup. I let you talk about that classy sort at the Rameshwar Gadjedar stable. Yeah, he's a lovely horse. He proved that he's the best horse here at the moment. So. I'm just glad to be on him, and many thanks for the owners, for the trainer, Subu, who keep me on the horse.
and he won in a very nice style. Seems you were very confident of his abilities on 2400. Well, I rode him just to get the trip, because it's the first time he ran over 2400 meters. But, you know, he was working fantastic with me, so I just rode him to get the distance. I didn't take panic. After jump, he stumbled a little bit, so I bring him back, and after that, he was traveled good to me, and I just had a beautiful race. I got him to the rail, and he was relaxed. I knew that four horse was in front of me. They're going to stop, so I said, well, where I am here, I think I'm leading the field. So, but the way he accelerated the home straight, you know, only good horse can do that. Manuel, how do it feel to win the Maiden Cup in front of this crowd of Sunday? Oh, it's incredible. You know, Chandrimas is very special, and especially see Chandrimas full like that, a lot of people shouting, screaming. It's amazing feeling that you had, especially when you ride a horse like that and you win the race the way I won with White River. It's very special. And Moonrise Sensation, first win of the season. Do you think the draw helps him this time? For sure, definitely. He have a beautiful race. I get the fans and save him all the way through and pass to the road. I move him to the outside because I know he's one pacer. And he just, in the end, just got there. I'm very pleased the way he won. But definitely the barrier helped him a lot. A bit unlucky with Kashkol, but really encouraging to see the horse repeating his good performance on his first start here. For sure. Yeah, Kashkol is still learning. You know, he was a little bit intimidated when the horse from the inside pushed him a bit out and probably passed to the road. I lost the race there because Olivier Placé, he took in front of me and he go away. My horse couldn't follow him. And the home straight, he want to hang in a bit. He's still learning. But I believe with a little bit more ground, he will run better. And all aboard, did the lack of pace and you were caught wide in the race cost him the win in the final straight? Sure. I was very unlucky that race. I was three deep all the way through. I couldn't get cover. I couldn't get in. And in the end, it probably cost me the race. But I'm very pleased the way he ran. And how do you rate Adamu on his first run here? Adamu is very baby. You know, he was a bit intimidated with so many people shouting this and that. And he was, I was lovely sport. But in the first part here, he was a bit keen with me. He hands up and this and that. And but he finished strongly, actually. He ran a good race for me. So we look forward to find another race for him later on. And much was expected from Big Mistake. Can you tell us a bit about his performance? Yeah. Big Mistake, I was a bit unlucky. I had many trouble in the race. The first turn here, it was a little bit crowded for room. And he was a bit keen with me. And I was followed two horses who took me nowhere. Wave breaker, and so in the home straight I was a little bit tired for room, so maybe, you know, that's all cross, but that's he run fourth position, so I believe maybe if he get draw outside and no need to chase him, he sure run better, but that's racing, what to do. Manuel, you said it last time, Seventh Rule suffered a slight injury in his race. How did the horse recover, and are you satisfied with his track work? Yeah, he's fine, actually. He come a little bit bruised on his fetlock. But after that, we bring him to Floreal, and he's keep working there fine. So he's so far is nothing wrong. I think maybe we step up him for 1,500 meters, and hopefully he run better next time. And did Rob Jewell improve from his last run? I didn't say he improved, but he's working well with me this morning. He's going to run this week. I think it's a little bit up class, but yeah, he's nothing wrong. I'm happy with him.
You have ridden Procol Harum last week at training. What feeling the horse gave you, Manuel? Look, he's a lovely horse. I'm not sure if it looks like not fully acclimatized yet because he's still a little bit tense and, you know, a little bit nervous. And he's still intent to hang in. So I just galloped him this morning and he seems, looks like getting better and better and better. And a few words about Bye Bye Rocket, the promising sort of the stable despite his age. Yeah, Bye Bye. So horse is getting, you know, he's really babies. It's getting better and better and better. So he had a bit come back, a little bit big cut on his leg. So we have to treat him and was worried for, you know, maybe he's not run this week. But I galloped him this morning. He seems like he's fine. So, yeah, but it's nothing wrong. I'm happy with him. Nous continuons l'émission, l'enseignement de ce Maiden et Alshiba qui prend une bonne deuxième place derrière White River. Oui, sur l'échelle des valeurs, il y a 22 points de différence entre Alshiba et White River. Si je dis qu'il y a des courses handicap, donc tu prends quand même pratiquement 11 kilos entre les deux. Et le cheval quand même a réalisé une super performance. C'est un peu malchanceux, nous rappelle ce dernier les courses quand il a battu au perplexing. Et là, il peut évoluer à un niveau supérieur à poids-pouage. Et il démontrait toute sa qualité à l'arrivée, il a battu avec un cheval exceptionnel. C'est quand même une super performance. Assez chanceux, il prend juste des points sur cette course. Alshiba après une super performance. Novine, dans les courses qu'il a réalisées sous la montre de Daryl Holland. Nous trouvons les sorties du 8e couloir sur le jockey et à l'intérieur de White River, par rôle en position à ce stade. Les récits trouvent les bars devant en Nebula. Nous trouvons les 10 devant l'île à White River qui est à Manuel Nunes, donc par route sa position devant le village ici derrière à Wemperer. Olen, qui n'a pas insisté pour garder White River sur l'extérieur, mais visiblement, il était happy where he was. Donc, le plus important pour lui à ce stade, c'était cette sur ce cheval. Et nous trouver dans les derniers 400 mètres, lui à une longueur de White River. Donc, il est still in contention, mais l'étant White River passe le turbo. Il fait de son mieux, il reste dans le sillage de White River, mais White River supérieur. Il n'a pas à rougir de sa défaite. Très belle performance, de bon augure en vue de la revanche du Maiden. Si nous avons appelé une revanche, parce que White River part pour le départ, mais et dans un des courses handicap, cette fois nettement avantagé au handicap par rapport à sa course dans le Maiden avec les adversaires qu'il a déjà battus. Je pense qu'il est capable de renouer avec le succès. Enad, double vainqueur du Maiden qui est déjà en difficulté à 800 mètres. Oui, nous ne connaissons pas le cheval le plus sain. C'était déjà un exploit de le revoir pour son troisième Maiden d'affilée. C'est vrai qu'il doit être présenté dans une très bonne condition, mais étant le sprint financé et environ 700 mètres de l'arrivée, nous trouvons l'Iti déjà en grosse difficulté. Nous venons sur les images. Ce jockey qui essaye d'améliorer sa position pour essayer de boxe White River en descente, mais déjà nous trouvons là Olivier Placier, puis bien Montley à fond, au Hard Ridden, et c'est vrai là. Il prend une action assez souple et d'ailleurs il perd vers l'extérieur. Il a une tendance hein, effectivement, il perd du terrain sur les meneurs. C'est un cheval qui nous a déjà beaucoup donné. Peut-être même s'il est à son meilleur niveau, Radive,
l'équipe pour réaliser une meilleure les courses, mais moi pas quoi l'équipe pour capable battre White River dimanche dernier. Cela dit, à sa manière, lui aussi, il est déjà dans l'histoire avec deux médailles d'affilée. Enad, ne vous quitte les émotions de cette course avec White River, le vainqueur du Médène. Poil, sur les outsiders, et là, c'est un vrai gros outsider, un coursier que pas beaucoup de Spartans passent la ligne en vainqueur dimanche, a commencé par cette victoire incroyable de Coolwater. Oui, ça aussi, c'est une réalité des courses hippiques. Nous sommes capables d'analyser l'entraînement, la forme, c'est vrai. Mais il y a des affaires qui échappent nous. Pas facile pour dire Coolwater pour gagner les courses. Un cheval qui se dédaigne les courses, il finit loin du vainqueur. Kemal Kavu, si vous êtes sur les trois dernières courses, ce dernier les courses qui a battu 14 longueurs. Avant ça, il a battu 2 fois 18 longueurs. Et pourtant, ça, des chevals-là, passe la ligne d'arriver en vainqueur. Jetpov, il est capable de tenir un sens au papier parce qu'il est un peu plus reliable par rapport à Coolwater. Et comme un caveau, c'est un cheval quand même qui finit les courses ici au Champ de Mars. Mais il paraît qu'il sur 11e ligne, finit refroidir beaucoup de monde. Et surtout certains bookmakers qui finit oser afficher quand même à une cote extrêmement généreuse de 6000 roupies avant la dernière course. Alors, nous restons avec Coolwater et nous parlons au départ de cette course. Première épreuve, 990 mètres. Oui, et Coolwater, après ce dernier course, il y a un petit problème sur l'entraîneur Chavoli à la brasserie. Il nous trouvait les films pour un bon départ avec les Mlinkers. Mais les films ont un peu la chance dans les courses parce qu'il favorise les courses Manolette. Puis il rate complètement ce départ. Il part une sortie des stalls peut-être avec 4 longueurs et tard. Et l'ON 990 mètres, ça ne pardonne pas. Nous trouver aux avant-postes Italian Way et Bel Apostol fin dirige les opérations. Là, nous revient le Coolwater avec Kevin Gunnoy qui fin monter une jolie les courses. Nous trouve aux avant-postes donc Bel Apostol et Italian Way. Sarah Secret qui pas de mal galopé en épaisseur ici avec Jeannot Bardotier, Ziz Deyali et na Coolwater avec les Blinkers bleus. Coolwater donc qui a un problème de santé après ce dernier course, qui a effectué un séjour à la brasserie. Ça, peut-être, il fait du bien. Et nous trouver ces vals-là dans la ligne droite finale, les films bien terminés, et sous l'impulsion de Kevin Ganoa, pour une remonte belle apostole. Donc, Sarah Secret qui fait une illusion à un moment. Et Italian Way. Et nous trouvons que Manolette il finit dans les courses. Hein, quand on prend en considération Rétor qui lui finit concédé à l'ouverture des boîtes, il faut probablement c'est lui qui se pour gagner ça les courses. Voilà, écoute, l'entraîneur, l'ancien jockey qui gagne Médène lui aussi avec River Run, Kevin Ganoa lui aussi un vainqueur du Médène, donc le hasard fait bien les choses. Ganoa sur Coolwater. Nous écoute Pravin Nagalu. Parvin, grosse surprise avec Coolwater dans la première course dimanche. Comment vous expliquez la performance à ce cheval-là avec ce mauvais couloir? Oui, ce cheval-là, nous finissons décide pour mettre un Blinkers Oli, qui travaille très bien en entraînement. Et nous finissons réduire cette distance complètement. Nous finissons mettre l'île 990. Et ce cheval-là, nous finissons essayer de se manger. Il finit prendre 13 kilos. Et il travaille demi en mieux. Et nous finissons donner un long break. Et ce victoire, il coïncide avec toi à nuit. C'est toi à nuit, tu donnes un long break. Et lui, toi à nuit, c'est des partenaires qui restent tous les temps ensemble. Nous avons la mer, la brasserie, les floréales, tous les temps ensemble. C'est pour ça qu'il fait un long break. Et il fait bien prendre ce break. Et après, ce Ben Galo, tu fais travailler bien. Nous disons, nous, c'est donné ce sens. Et c'est tout, donne 990 pour une fois Blinkers. Et comme pourtant, Kevin, tu fais souffrance sur la main, nous disons, c'est mon lit, c'est donné pour être tranquille. Mais la ligne droite, tout le monde lit. Et c'est ça, il est arrivé. Il fait bien mon lit. À partir de 300 mètres, les filles commencent à coster aux autres, mais je suis confiance. Et je suis bien content pour Coolwater, ce propriétaire, toute une équipe de bonnes propriétaires qui vient prendre ma chance. Et c'est toute une journée quand même, et nous gagnons les courses. Ça fait nous beaucoup l'honneur et la gloire pour cette tour. Et Most of Spin, qui est un véritable test pour lui contre une meilleure compétitivité. Est-ce que vous pensez que le fait qu'il n'y ait pas de récit dirige le pas aux avant-postes, ça qui explique sa mauvaise performance de dimanche? Vous pensez le 200 premiers mètres là, les fingers free wide, ça fait
coûte beaucoup. Il y a un cheval généré en FO, mais après ça, il vient faire une bonne course. Mais nous c'était la prochaine, il fallait gagner bon l'année. Je pense que quand tu dictes ce palier, il y a un cheval différent. Et une encourageante troisième place de Suzanne Grant sur 1400 mètres derrière comme elle cavou. Vous pensez que ça c'est valable, bien encore plus distance? Bon, pensez oui, le 1500, 1600 mètres, il vous fait très bien, même 1850. Et il y a un bon one piece. Hein. Il finit bien galbé, malheureusement, il finit hanging 100 mètres vite. Que c'est pour ça qu'il va sentir une redresse. Il finit commencer à perdre ce moyen. Mais bon, pensez lui, vous fait très bien, il y a une distance plus longue. Et comment vous expliquez la dernière place de Head of the Pack? Head of the Pack, un cheval, il y a un peu nervé. Surtout de paddock et côté stall, il est un peu nervé. Vous pensez. Avec les temps, après une détroit, les courses. Une fois y adapté, je pense qu'il fait une bonne course. Et Special Force aussi, financé de ce vent, il y a Jay-Z Captain. Qui fait un cheval là, puis prend autant de temps pour retrouver les parvins? Je pense qu'il y a un cheval qui fait un jeune cheval qui, quand il rentre, Maurice, même si il paraît bien nervé. Scalier, il y a encore nervé, surtout dans ce box. Il m'a aussi beaucoup. Nous pensons qu'il y aura une bonne solution même. Et il perd du poids beaucoup. Et je pense qu'ici, s'il est adapté, il vous fait très bien. Et nous, cousin, qui nous demande les autres chevals, Space Agent, comment vous qualifiez ce track work, ce form actuel? Après ce castrachon, il fait une bonne boy trial avec Rama, avec Blinkers, et nous vous savez, il est en course cette semaine. C'est fait, moi, j'espère qu'il fait une bonne course et il est super encourageant. C'était une bonne propriété qui finit investi là-dedans. Mais il fait très bien Sud-Afrique, mais malheureusement, il n'est pas fait très bien. Mais après ce castrachon, nous, c'était il fait une bonne course. Et une des bonnes meilleures acquisitions à l'écurie, Pota Watomi, comment peut passer sa progression à l'entraînement? Lui aussi peut travailler très bien. Heureusement, nous finissons Rama qui finit à temps. Il fait livrer comme le monde cheval là bien. Il y a un cheval difficile qui peut tirer beaucoup sur toi à l'intérieur, mais Rama peut se redresser. Et nous, il est blessé à l'entraînement, mais il finit bien récupéré. Il est ici prochainement dans deux semaines pour faire ce débit. Et qu'est-ce qu'il y a Perfect Pursuit? Il y a aussi un nouveau qui nous a gagné un petit peu de difficulté pour comprendre, mais heureusement, doucement, nous peut essayer sur toi à l'entraînement. Il peut faire très bien, mais en course, il y a encore un safrayé là. Mais il y a un très bon cheval, il aussi qui finit très bien. Et surtout, nous finissons d'un Rama monté aujourd'hui. Il finit un travail très bien avec un sidewinkers. Et nous souhaitons, c'est ce qu'il veut monter dans l'entraînement, il performe ça en course. Et parmi nous, connaît Midnight Messenger, un cheval qui définitivement vaut la classe qu'il peut galoper. Ou quand Pavi explique nous un peu la forme de ce cheval-là et qui s'il est capable de galoper en progrès la fois prochaine. Oui, je pense qu'il galope bien, surtout le 20 divisions inférieures. Et il y a un cheval rapide, numéro 990 pour lui aussi. Et c'est le fait de travailler très bien et nous souhaitons ici il fait une bonne course. Ah, il y a un cheval en particulier qui ou une tape dans l'Olivier ou soit dans l'écurie qui au conseil Mathieu Fils suivre prochainement. Vision of Trust qui peut travailler très bien lui aussi. S'il gagne bon l'année, je pense lui ici il y a un cheval à surveiller la prochaine fois. Nous enchaînons pour le coup Kemal Kavou, autre victoire surprise. C'est un coursier qui, quand sur l'entourage, Thierry Stélie, c'était avec l'espoir qu'il est capable de galoper un grand l'écousse. Très décevant, une seule victoire avec Maxime Guillon lors d'un week-end international. Et là, il ramène seulement sa deuxième victoire au champ de Mars. Oui, et de Laurier, surtout, vous avez fait ressortir le sprint, 1400 mètres. Mais il paraît que le jockey placé fin. Bien entendu avec lui et il réussit 7 lits durant les courses là et c'est valable une kick dans la ligne droite assez sûr pour nous vous dire que Kemal Kavou fait kick mais il fait lit et il résiste à Cash Call qui est quand même un cheval de valeur qui fait une coûte assez cher en tant qu'il est à ligne et qui tire slow une belle dernière victoire. Kemal Kavou, la deuxième course ne vient sur le départ. Nous trouvons deux chevaux sur l'intérieur, fin de montrer toute lente. Star, vous avez eu, c'est Minalou Juventus, ce qui fin permet Olivier Placé et Trouba assez rapidement. Par la suite, les fins suivent. Derrière, Van Meneur, Flying Arrow qui fin prend rapidement les commandes devant Student Grant, Cash Call qui fin suivent plus près et que par rapport à ceux derrière les courses. Et Kemal Kavou, donc, qui est en troisième position. Flying Arrow, un Pékin, la partie. Initial et qui finit tape contre bord dans la descente et selon le un rapport que le jockey Jack Lal finit faire quand le jockey c'est voilà finit tape au bord dans la descente il finit perdre un peu intérêt à la course et Olivier Placé à ce moment nous trouvait il finit déboîter pour suivre Student Grant là il paraît très facile d'ailleurs Student Grant a une tendance hanging et
nous trouver Kemal Carvo dans la ligne droite pour faire la meilleure impression et pour résister au retour de Cash Cole qui finit une tendance hanging beaucoup dans la ligne droite. Une assez green Cash Cole et le coursier de Manuel Nunes qui pour bien contenter de la deuxième place à l'arrivée. Peut-être qu'il c'est un cheval qui peut demander l'équipement parce qu'il était assez green, pas de focus du tout dans la ligne droite finale. Kemal Cavour, Cash Call, Student Grant, Midal de Juventus, qui en coupe et période lui-même, c'est un coursier qui expecte qu'il va gagner. C'est les coursiers à Midal de Juventus, Student Grant, Bassante, qui prend une sanction. Oui, parce qu'il est trouvé coupable d'avoir gêné Midal de Juventus à l'entrée de la ligne droite. Student Grant, pas un cheval facile à monter parce que c'est un cheval qui hang in énormément. Et nous trouvons l'état, il dépasse Flying Arrow ici, il désigne une tendance. Pour la route, l'appui des bas et le jockey Basson, donc qui ne si, pas pour redresser à toi, il pour le jeune Midal de Juventus qui peut fausser le passage ici entre Flying Arrow et Student Grant. Et il pour squeeze un peu Midal de Juventus, l'étant Basson très dressé, donc si déjà fini commettre la faute et. L'époux écope une semaine suspension pour sa faute. Là. Et nous voilà dans quelques instants sur la dernière course avec Jet Puff. Là, c'est une belle arrivée. Ola Baud est passe favori de la course, mais c'est un outsider, Jet Puff, qui remporte les courses. Là. Oui, Jet Puff qui déjà remporte 2 victoires. Depuis le début de la saison avec Dinesh Souful et là pour la troisième fois toujours avec Souful il fait une réussite sur 11e ligne au départ pour prendre la direction des opérations et il fait une, réduire les courses là et il fait une fausse les courses là et il fait une résister et jusqu'au bout donc au retour de Never Fear et de All About. Dernière course Jet Puff avec le départ de la course. Oui, sorti donc du 10e couloir et il vous montre le plus rapide devant Never Fear et All Aboard. Et 3 chevals qui devant actuellement, c'est ça, 3 chevals-là qui pour dispute éventuellement la victoire. C'est pas un hasard parce que le train n'est pas si rapide du tout dans les courses. Là. C'est Carlton Heights pardon, qui est en deuxième position à ce stade. Ola Baud, c'est lui qui peut améliorer sa position à ce stade. Et là, nous trouvons Ola Baud en épaisseur. Il est wide parce qu'il est un train pas très rapide devant. Never Fear peut attendre le passage à l'intérieur. Et Ola Baud et le Kiatlos, donc qui peut lancer cette attaque à l'extérieur. Carlton Heights à l'extérieur pour. Manque un peu de ressources à la fin. All Aboard pour revenir. Never Fear également sous la cravache de Randall Simons pour finir à l'intérieur. Mais Jet Puff pour résister jusqu'au bout et pour remporter donc ce 3e victoire depuis le début de la saison. L'autre victoire pour l'écurie Vincent Lett auparavant, c'était avec Promissory monté par Derek David. Oui, Promissory qui tient à beaucoup partisan dans les courses là, qui gagne au finish. Il remporte une belle victoire, sa 3e victoire depuis qu'il est au champ de Mars, en 24 sorties. Il s'est imposé au finish devant Taranaki. Devine là-dessus, Promissory. Il prend un bon départ de ce premier couloir, mais il ne trouvait Derek David pas d'insister quand il trouve Hit Him Again Chuck et Final Cup qui finit insister pour aller devant lui. Ce sont 2 chevaux qui ont l'habitude de courir de 990 mètres. Donc, Liffin opté pour suivre dans le dos de ses chevaux avec Mané Terren à sur l'extérieur. Taranaki qui suit en off-pace. Et nous trouvons Derek David là qui est en plein ressources. Il peut attendre le moment opportun. Voilà, route d'ouverture au milieu de la piste. Et ce cheval pour bien accélérer, pour remonter dans un premier temps, Hit Him Again Chuck, et résister ensuite au retour de Taranaki. Promissory Taranaki,
Donc, on trouve cette victoire de Derek David, d'une année début de Randall Simon sur Sean Moss. Et s'il finit malchanceux dans la première avec le favori Manolet, il ramène quand même sa première victoire grâce à Conselovoir. Oui, Conselovoir, c'est un cheval qui a vraiment, c'est déjà malchanceux sur les courses avec Rajuawan, que Rajuawan a chuté en descente. Randall Simon finit monter une jolie course, comme on dit, il est très malchanceux dans la première course, sinon il est capable de remporter un doublé dimanche. Mais les films font vraiment honorable sur Conselovoir, malgré son mauvais couloir. C'est Val-là qui fait une confirme sur un récent progrès, une démontrée, une puissante accélération dans la ligne droite pour remonter le surprenant Netflix. C'est la quatrième, Conselovoir, et Noël sur cette course. Une course qui tient un train assez rapide avec la présence de From the Ashes qui est muni des ailiers pour sa tentative donc sur 1650 mètres. Les films dirigent les opérations devant avec Pravesh Auril, devant Heart of Darkness, Good Buddy, malgré ce deuxième ligne au départ, les films galopent le nez au vent dans sa course-là, Master of Spain en épaisseur, et nous trouvons Conselovoir, ils suivent en avant-dernière position, juste devant lui, tenant Netflix et Aman. La selle de Pravesh Auril qui finit déplacée sur From the Ashes en descente, et nous trouvons Netflix à ce moment fin lancé par Derek David en quatrième épaisseur avec dans son sillage Conselovoir. Netflix qui tient à seulement 53,5 kg sur le dos. C'est Val Capitier qui a loupé 1800 mètres. Et vu qu'il balaine assez vite devant, Conselovoir également se dénigre les courses 1850 mètres. Ben, c'est Val qui a stamina qui ne termine plus fort dans la ligne droite. Et Conselovoir finit démontrer la meilleure accélération pour remporter ce deuxième victoire ici au Champ de Mars. Conselovoir doté d'une puissante accélération nous rappelle sa première victoire, comment Lichvin gagner. Et Randall Simon, c'est un bon jockey, reste à suivre pour le compte de l'écurie Pritam Devi. Ramené au paddock, Conselovoir. Sous la montre de ce jockey sud-africain Randall Simons. Chez l'écurie, Gilbert Rousset tient un doublé, Kings County, qui ramène une première victoire cette saison. Oui, Kings County qui s'est présenté dans une superbe forme dimanche. Conditions splendides et les films confirment sa forme ascendante en remportant sa cinquième victoire ici au Champ de Mars, sa première victoire de Laurier, si je ne me pas trompé. Kings County est la cinquième. Oui, avec la présence de plusieurs chevaux rapides sur l'intérieur, donc Nourish Jaglal qui n'est pas fin récit et prend le commandement. C'est la Chili Con Carne sur l'intérieur. Et Nourish Jaglal qui, en voulant, donc en cherchant à placer Kings County, là, il est en quatrième épaisseur, il fin commet une faute, il fin trouvé coupable d'avoir gêné Chili Con Carne qui. Il finit gêné un peu à son tour. Big mistake qui finit fausse. Donc, Captain Swarovski, subit le basson. Le Captain Swarovski, Binzer, reprend ce cheval. Là, nous trouvons un incident avec Sunil Basson qui est en difficulté à la côte. Et donc, Jaglal finit écope une semaine suspension. Mais Jaglal, pour capable monter. Et ce samedi, Kings County qui par la suite fait une galope à l'extérieur de Wavebreaker, tient un bon train devant avec un Believable Lad. Et Kings County dans la ligne droite pour sortir la meilleure accélération pour dominer Seventh Plane. Captain Swarovski, la déception est venue de Big Mistake, le grand favori qui fait une manque de finish dans la ligne droite, un peu intimidé et dans la ligne droite finale par un Believable Lad. Mais cela ne diminue en rien les mérites de Kings County qui finit de montrer les supérieurs dans la ligne droite finale. Dans Seventh Plane, Captain Swarovski paraît trouver un peu sa forme sur une des courses pas mauvaises. Captain Swarovski.
Big Mistake est certainement à revoir. JJ is captain. L'Ossio di Anelle Kous, monté par Nishal Tia cette fois-ci. Litchi attendu face à Zen Zero. Oui, nous tout connaissons l'expertise de Nishal Tia avec Mancho difficile et sa capacité à faire Manceval sortir vite des stalls. JJ is captain sur dernier les courses. Litchi montré lui extrêmement nerveux derrière les stalls. Litchi montré lui également un peu lent à l'ouverture des boîtes, ce qui force lui fait un effort pour contourner le peloton de tête pour prendre la direction des opérations. Ça joue là, il s'est battu avec Roman Lenser et Godestown. Sur l'entraîneur, ça apporte un peu quelques petits réglages en vue de sa course de dimanche. Il passe par une barrière trials. Et Litchi Munielli des Earplex et de Tongtai. Et moi, pensé ça finit de ça, c'est valable beaucoup. JJ's Captain est l'avant-dernière course de la journée. J'ai trouvé une très bien souhaitée à l'intérieur avec Tia qui finit chez lui, qui s'est valable là. God la ligne à l'intérieur et les fins prend la direction des opérations devant Falkland et Zen Zero. Il me fait le plus difficile à ce stade et c'est là qui fin montrer les plus appliqués, plus concentrés avec l'apport des Sidewinkers et les fins signent une belle victoire de bout en bout et façon qu'il veut progresser, il est capable certainement ramener encore une victoire avant la fin de la saison. C'est un produit de Captainal, JJ's Captain. Zen Zero qui peut suivre dans ce sillage pour essayer de faire son retard, mais JJ's Captain pour passer à la ligne arrivée en vainqueur. Devant Zen Zero, bonne course de ce gris Wendell. Là, ce qui est dit pour cette épreuve, nous vous écoutons Sudesh Sisoren à présent. Sudesh, qui vous a l'impression suivant la première victoire de Kings County cette saison et sa cinquième à Maurice? Oui, pour commencer, Kings County, l'année dernière, nous tout connaissons, un cheval ici d'un rating bien bas. Il est monté sur quatre courses. Après, nous faisons déjà le fait qu'il y a les courses un peu, un rating un peu plus fort là-haut. Et ce cheval-là, entre courses, il mal pense à ces choses-là. Il y a un peu de conditions, il y a un dry côté, il n'y a pas de transpirer, tout ça là, nous donne tout le temps. Après, nous avons trouvé ça trois premières courses qu'il a loupé là, il n'y a pas de performance du tout, il a donné un spell. Et après, c'est là qu'il y a un problème, il y a un problème les deux. Et nous traitons les, nous donnons tout le temps pour récupérer. Avant d'aller les courses qu'il a loupé, nous trouvons qu'il n'y a pas de progrès. Malgré ça, Ouchara, tu amènes 65, tu montes ça, c'est là avec 61,5. Et là, nous trouvons qu'on dit que voilà, il regagne sa condition l'année dernière là. Et nous mettons ça des courses là. Et non, moi bien content, nous trouvons que ça règle, ça qui comment j'ai été l'année dernière là. Et il fait plaisir, il y a un cheval tout le temps, il fait un plaisir, qui fait un plaisir. Il y a un cheval qui il va chercher peu forme, il regagne sa forme. Et nous sommes bien contents pour les sauver le propriétaire. Et nous avons aussi remarqué qu'il y a une chance tactique avec lui. Est-ce qu'il sait ou pensez qu'il contribue à ce victoire? Parce qu'il tient faux entraîneur, il est sur quatre les courses l'année dernière à l'avant, maintenant il est mine de laurier dimanche. Écoutez, ça les courses qu'il a samedi là, l'instruction c'est nous c'est un mauvais couloir, nous c'est déjà nous reste sauter, s'il est capable devant y aller, malheureusement c'est un décevoir qu'il a été élite plus vite, il est peint l'autre soir, il a besoin d'opter pour le soir là un peu en retrait. Et comme on veut dire, il passait aucun couvert en rien. Et sa condition, c'est pas là, tu étais, vous trouvez ce voilà bien, ça. L'LM qui accéléré dans la ligne droite. Parce que tout le temps, 15-40, tu peux aller devant, tu peux gagner les courses. Cette fois-là, il y a une récit settle, correct. Il va tirer dans rien, rentrer dans la ligne droite, il accéléré. Après, il gagne sur les courses. Quel est le sentiment lors de la victoire de JJ's Captain qui force les stores lors de son avant-dernière sortie? JJ's Captain. Sa réputation un peu l'Afrique du Sud, il s'est un peu refusé de rentrer dans le stade là-bas même. Maintenant, les courses, pourquoi on a été scratché là-bas avant les courses. Et comme on veut dire, il y a difficilement entraîné, il tirait beaucoup. Et sa première course, il n'est pas si mal galopé, il a besoin d'aller courses là. Après, ça, c'est quand les courses qui ont galopé, il fait une jolie troisième place, il trouvait qu'il fait d'aide dans la ligne droite. Et comme on le tout connaît, il y a. Dit qu'on entraîne ça m'a un cheval difficile là et dit pas payer d'installer tout ça là, moi j'ai opté pour mettre Yalo là
Et après, il y a comment le monde soit là, il y a un bon essai de mettre un blinkers à lui. Malheureusement, il y a un empêchement de mettre un blinkers à attention, il fait des autres et il y a ça. Nous préférons mettre un sale blinkers à lui. Et après, il y a une bonne ligne. Comment il saute, il bien saute, il met du vent. On connaît les carrières, les courses là. Et bon, yo, tout le temps, il fait un plaisir qu'il y a un cheval difficile de gagner les courses. Il est bon pour les guérir. Justement, comment on fait pour calmer le cheval là? Parce qu'il connaît, il y a un problème dans les stalls. Écoutez, un entraîneur pour trouver tout moyen pour faire un cheval plus calme les stalls. Et pour nous, c'est un des trois équipements parce qu'il est morcé. Bref, comment on veut la porte, il y a 20 ans, il travaille avec nous. Il demande un peu de feedback qui a ramené, qui n'a pas ramené. Et non, nous avons opté pour mettre ça, nous attachons la langue. Et là, on a voilà une performance. Et moi, je pensais souvent là, il m'a galopé, je pensais dans 10 000 mètres. Alors, pour ça, je ne connais pas. Et c'est donc qui est capable de coûter la victoire à Taranaki de la troisième course dimanche? Taranaki, je ne suis pas capable de dire rien. Et, pour me souvenir, c'est parti des ratings là-haut, ils descendent. Je suis bien prêt sur les courses pour mettre les tickets pour mettre la ligne. Et Taranaki, comme on le tout connaît, c'est bon, c'est trop bonné dans les courses. Et qu'on les risquait de tirer, pour me donner l'instruction, sauter, pose la main, galoper au bord. Et malheureusement, ça c'est nous laisser rendre devant lui, il commence à tirer. Il nous attrape ce soir. Et qu'on le trouvait, il est un peu trop distancé dans les courses. Et malgré ça, ce soir-là, pour moi, bien satisfait, il trouvait, il montre son finish. Et il finit une demi-longueur gagnant. Qui est capable d'expliquer la quatrième place de Cyber Special? Ça bien spécialement moi penser moi capable petit bizarre à les courses là parce qu'il vient longtemps de pas galoper. Et après ce coating si on va être trop satisfait avec ce coating. Et après comme on veut dire avant de souvent qui ont fini gagner trois les courses, ce peut mon rating là haut. C'est pas facile pour d'autres gagner les courses assez à zéro de courses les courses. Et non, pour moi il vient galoper, il fait une jolie troisième place et nous allons voir après. Quelle explication derrière la quatrième place de Mindblowing? Mindblowing, on va dire ici pareil qu'on Taranaki, Cyber Special, donc il y a des trois les courses, et il y a quatre les courses, et il y a un rating un peu plus fort là-haut, et malheureusement, c'est une mauvaise ligne ça ici, puis il y a l'autre soir, ici, il y a voilà, on ne pas les hier, et malgré ça, il y a fini ensemble aux autres, comme il y a une demi-longueur avec gagnant, on va s'assister sur performance. Par contre, très bonne course de Tengen Salut, surtout. Lors de 2400 mètres à poids contre le meilleur stayer du teuf mauricien en ce moment. Qui est-ce pour dire ça? Non, on est bien satisfait de la performance de Tengen Salut. Comme on le connaît, il est à la distance de 2400 mètres. Et moi, je suis un galop de tout. Après, je passe sur la langue au filet, je suis overreste, but en bout de course. Je fais une bonne course de tout. Après, nous gardons fraîche un peu. Après, nous donnons une préparation pour le galop Mélène. Et non, moi, je trouve. Il fait une honorable troisième place, je suis bien satisfait. Et là-dedans, nous avons besoin de tirer sa peau, sa champion qui a fait le White River là. Et non, on ne peut rien pour dire. Comment on veut dire, il y a un cheval tout le temps, il y a une intimation sur lui dans les courses, il tire, pas qu'à contrôler. Et non, moi, je suis bien satisfait à la troisième place qu'il a fait là. Et qui pousse au bon objectif jusqu'à la fin de la saison? Écoutez, c'est un objectif, nous n'avons pas encore une décision là, nous avons un autre comment les récupérer après sa médaille parce qu'il nous tout connaît, les médailles les courses très dur. Et nous avons une dernière semaine après nous prenons une décision. En tout cas, il faut faire pour prendre les courses. Il y a aussi des enquêtes ou être maudit par les commissaires, notamment la chute à Cachocharaz lors de la 23e journée Nitin, de Timontan Zaborego. Côté Nichaltia a fini être sanctionné, tiens, celle sur Home Town Hero. Oui, pour Tia, vous avez dit qu'il. En sus de sa victoire sur JJ Scarting, l'INECOPEN suspension pour avoir excessivement réduit le pas sur Sénatla de la course remportée par Monra Sensation. Il gagne la manne initialement, mais il fait une demande, man commissaire, convertit sa la manne en une semaine suspension. Par la suite, hier matin, finit l'enquête de sa l'incident qui s'est arrivé donc. Sur la chute de Akashu Chara sur Anza Borrego Côte Nichaltia, Tipemont, Hometown Hero. Et là, Nichaltia finit écope 3 semaines de suspension pour sa faute en ligne droite.
Donc, Man Commissaire Finn Trulli à l'origine de ça, l'incident-là avec Hometown Hero. C'était son premier amont, je dire, Tia, ou son retour après blessure. Et Hometown Hero, qui finit la tendance, hangout en ligne droite. Tia qui finit explique, Man Commissaire, qui c'est là participer stride correctement. D'ailleurs, après les courses-là, he was found to be lame. Et il finit également dire à un commissaire qui Anza Borrego c'est une tendance hanging et que ça a également fini contribuer dans cet incident là. Mais en prenant en considération qui ban sanction qui finit là dans le passé et quand finit dans ma chute, normalement il se faisait une 4 semaines suspension. Mais en prenant en considération les mitigating factors, surtout qui Hometown Hero Chilim et qui Anza Borrego, c'est voilà, assez difficile. Peut-être si c'est un autre cheval dans place, Anza Borrego, je ne pas tu pourrais dans l'incident là. Mais Man Commissaire, donc, fin infligé et 3 semaines de suspension. Voilà pour cette sanction à Nishal Latiha. Nous guette ban l'entrée pour les causes principales de la prochaine journée. Et benchmark 66, 990 mètres. Ernie, Argo Solo, Hayler, qui est nouveau de Simon Jones, de la Barack Street, les Cario, Rob's Duel, Step to Fame, et Henry Tudor, encore avec un léger handicap pour tenter sa chance ici en Italie. Oui, il y a les courses qui promettent d'être très rapides. Henry Tudor finit dans un joli style sur dernier les courses, côté ici de Barack Street, avec le réajustement du handicap. Nous pouvons bien suivre d'après moi Barack Street de plus près et cette fois il est capable prendre sa revanche. Henry Tudor nous pique ce travail à l'intérieur de Pride Rock, nous trouver de maintenir une belle forme et Lipuena a également sa chance. La ligne au départ certainement pour très déterminante pour l'issue de cette course. Barack Street, Lily vient consigner bien travail à l'entraînement. Nous trouvons avec le nouveau jockey de l'écurie Ramesh-Vagatidor, de Diego de Gouveia, donc à l'œuvre sur ce cheval. Cheval-là très très bien. Rob's Jewel, un cheval délicat. Il y a une course difficile la dernière fois avec un meilleur couloir, nous pas capable d'éliminer. Et il y a également Hale, qui est un nouveau coursier prometteur de l'écurie Simon Jones, qui est toujours à la recherche de sa première victoire ici au Champ de Mars. Hale, qui peut être mauvais cheval, peut-être la distance est un peu sharp, mais pour une première sortie, we never know. Ce cheval-là, c'est quand même une five-time winner en Afrique du Sud. Voilà ce qui est dit, Simon Jones, mon fin d'Ali Perrault, cette première victoire de la saison. Nous finirons à la fin de cette émission. Merci Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation, mesdames, messieurs. Merci de votre attention, bonne soirée, à bientôt. Say my name, I am dying.
Come on. Escucho como digo tu nombre, desde Medellín hasta Londres. Cuando te llamo la mala responde, no pregunta cuándo, solo dónde. Te dejas llevar de lo prohibido, eres adicta, una adicción que sabes controlar. Te deja llevar lo más caliente en la pista, todo lo que tienes demuestra pa' que lo dan. Mordiendo mis labios esperas que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo. Mordiendo mis labios esperas que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo. Say my name, if you love me, let me heal. Say my name, I am dying. To believe you, I feel alone in your arms. I feel you breaking my heart. Say my name.